Bon. Je vais prendre ça. Combien tu le reprends le cuir en fait, je sais pas. 3,80. Tout. Ok, bon. Non, j'ai... non, non. 3,80 le kilo. Ah d'accord, ben. 1,5 kg, ça te fait 32,30. Ok, j'ai pris des barres de métal, du coup je sais pas si on peut arriver à l'équivalent. Tu sais que ça en plus c'est des sculptures. Hein. T'as une plus-value là-dessus. Ah, c'est ok. Je sais pas où ça va le cuir en fait. C'est là-dedans. Là, par contre, j'en ai celui-là, c'est le mien. C'est l'équivalent. Ah ben voilà, c'est cool. On la remonte. Non, ça, c'est bon. 2017, 2016, 2015. En 2013, elle était faite, ça. Mais elle a jamais été trop finie. Et puis, au bout d'un moment, ça prend trop de place, quoi. Puis ça marchait pas, tu vois. Donc, c'est plutôt pas mal, quoi. Mais elle marchait. Ouais, elle marchait, ouais. Mais pas en fait. Elle marchait, mais pas. En tout cas, je suis bien content. Tout ce qu'il y a là, les objets, tout ça, ça fait comme une esquisse, un croquis. Tu prends tout ton bordel et tu le composes avec tout ça. Et les Némésis, c'est des machines célibataires. Elles s'autosuffisent. Je dirais qu'elles pourraient faire une appartenance à une certaine partie de la mythologie grecque, au rock garage, à la dévolution, à la non-évolution. Et c'est un truc qui te poursuit tout au long du processus. Tu détruis une sculpture et tu recrées une chose que tu vas redétruire. Et ça laisse une espèce de liberté où tu t'amuses en fait. Il y a une référence au mythe de Sisyphe. Par exemple, une Némésis donnera la Némésis 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à son épuisement complet. Et au bout d'un moment, bah, tu peux aussi détruire toutes les Némésis si tu veux. Alors, ok. J'essaie de les faire revenir jusqu'à ici en fait. Hein. Ça marche, c'est juste parfait quoi. Ça marche hyper bien en fait, ils ont peur. Hein. Et du coup, je me dis que ça pourrait être aussi pas mal de mélanger en fait un espèce d'effet un peu animal à la machine, un peu, on en parlait tout à l'heure, un peu insecte, plus animal. Et en fait, j'ai décidé de lui intégrer aussi deux ailes comme si c'était vraiment une espèce de.
de grosses volailles qui se mettraient en... qui permettra aux gens de se réveiller le matin, en fait. Quelque chose comme ça. Parce qu'il faut vraiment arriver à faire en sorte que les rouages ils soient vraiment très très lents pour que justement que les ailes puissent battre vraiment de façon hyper naturelle. Va être peint tout en orange, hein, fait un truc un peu industriel. Et j'ai pas encore donné de nom à cette machine-là, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle va prendre des formes beaucoup plus arrondies et trouver un système pour la remorquer avec la voiture, je sais pas encore.